tour capitale du Val-de-Loire, à proximité immédiate d'un certain nombre de grandes métropoles, carrefours autoroutiers, mais également ferroviaires. 1h30 de Paris, grand maximum, le RER le plus rapide du monde. Une offre de culture, de patrimoine, de gastronomie. Tours, en fait, est une destination tourisme d'affaires MICE par excellence parce qu'il y a une offre diversifiée, plus de 200 sites d'exception autour de Tours, des châteaux, des granges, des lieux parfois un peu insolites pour organiser finalement des rencontres d'affaires de toutes dimensions, de toutes tailles, depuis une petite réunion de CODIR jusqu'à un congrès international puisque nous avons aujourd'hui des structures qui permettent d'accueillir plus de 3000 personnes. Pourquoi Tours comme destination à faire? Tout simplement parce qu'on est très facile d'accès avec le TGV, l'autoroute A10. On a quelque chose que les autres villes n'ont pas, c'est un centre de congrès en face d'une gare TGV. Et surtout l'attractivité de la Loire, des châteaux que nous offre notre belle région, le patrimoine riche, avec notamment les vins de Touraine qui sont quand même assez connus par chez nous. Un territoire avec un savoir-faire, avec une société internationale de la gastronomie où il y a l'art de la table, l'art de bien manger, l'art de déguster des plats et aussi de rencontrer les gens. Tours est une très très belle ville chargée de patrimoine, de gastronomie, d'art, de culture, donc forcément l'événementiel y a sa place. Et tout ça, ça doit se retranscrire dans un événement qui a du sens et je pense que la Touraine a de beaux atouts pour ça. Event Tour, en fait, c'est le premier workshop dédié aux organisateurs de manifestations professionnelles, réunions, les séminaires, les incentives, d'abord en local, c'est-à-dire pouvoir permettre aux entreprises et aux organisateurs locaux de redécouvrir en fait l'ensemble des acteurs qui sont à leur disposition et qui sont sur leur destination. Et puis c'est aussi un éduc-tour avec une vingtaine de state buyers qualifiés qui sont des gros annonceurs parisiens et qui viennent aussi découvrir un peu la destination et prendre connaissance de toute l'offre de la destination et du dispositif qui leur permettrait d'organiser leur manifestation. Qu'est-ce que nous apporte ce genre d'événement? C'est déjà de pouvoir se rencontrer aussi entre professionnels et puis de rencontrer des gens qui sont potentiellement intéressés par la destination de Tours pour organiser leurs événements. De pouvoir retrouver nos partenaires, que ce soit les châteaux de la Loire, les agences événementielles, mais aussi de rencontrer les prescripteurs. C'est faire partie d'un réseau qui défend et qui veut développer du coup sa destination d'affaires. L'occasion de nous retrouver tous professionnels du tourisme d'affaires pour faire en sorte de relier les prestations entre elles. Ça nous apporte du réconfort, ça fait plaisir de retrouver une vie sociale avec nos partenaires, avec plein de gens qu'on connaît. On voit que ça phosphore, qu'il y a une bonne dynamique. Ça permet en fait de voir tous les partenaires qui sont là en local, de découvrir les lieux, de découvrir les expériences qu'on peut faire. Tout ça en un seul endroit, ça fait quand même gagner pas mal de temps et le tout dans la bonne humeur, donc je pense qu'il faut y aller. Rendez-vous pour Event Tour 2022.